Je suis tout seul, hein. Quelqu'un qui veut venir avec moi, je sais pas. Un cadet ou un officier. 56, c'est toi, Porsche Nord? Oui. Ok, j'arrive. Ouais, 56, vous allez patrouiller sur les points de drogue? Non, non, on a un truc à faire là, donc on travaille pas pour l'instant. Ok, ok. Ok. Dans 10 minutes, j'irai patrouiller comme j'irai commencer à patrouiller sur les points de drogue. Ok. Le bouton entrée. Ouais, bah change-le au pire. Donc 76, vous êtes toujours là? En gros, tu vas dans par mes Discord. Dans voix et vidéo. Tu coches le truc à pied pour parler et juste en dessous t'as la touche, tu peux la changer. Et oui, tu oui mets mais est-ce qu'on peut. Alt? Ouais, tu non, peux. Moi c'est pas Alt pour. Pour parler comme ça. Ah, c'est pas. Ah, toi c'est pas Alt? Non, moi c'est le truc pour faire ce mouvement, c'est le petit H au niveau. C'est le H à l'envers à côté d'entrée, c'est ce que je viens de dire. Ah, bah. Je sais pas, bah moi c'est Alt donc. C'est pour ça. Je vais voir dans la touche. Je vais voir dans les touches. Radio. Mais du coup, non, je pense qu'à ce que. En gros, des fois, il y en a qu'on peut même. Moi, j'ai pas les mêmes touches que les autres, hein, par exemple. C'est pour ça que je vais modifier. Je fais rarement ce mouvement, mais quand je le fais, c'est pour montrer que je parle à la radio. Il est là, sergent, c'est ça? Ok. Sergent, vous êtes là? Non, c'est sergent chef. Allô? Ça, c'est le sergent chef. Allô, sergent? Sergent chef? Ouais, ouais, moi, je suis sergent chef, donc je suis là. Sergent chef, je sais pas. Oui, je suis là. Ah, contre 95, on est de retour de son absence. Je suis là. Ok, on se bouge, venez. Ouais, c'est fermé ça. C'est 0,5, hein, c'est 0,5 aussi. 0,5, saute un petit coup. Ouais, il y a ma voiture juste là si jamais. Saute un petit coup, 0,5, t'as le chewing gum. Ok, bah bon, vas-y, on prend ta voiture. Alors. Normalement, c'est. 95 à central, non. Quelqu'un dit c'est celle juste pour à côté. Patrouiller. Négatif, nous sommes en Adam 67. Y'a sergent, sergent, vous êtes là ou pas? Parce que je vous vois. Ouais. Voilà. J'espère que vous êtes calmé depuis hier. Vous avez voté avec 95. Ah. Il est où 95? Normalement, j'ai ouvert la voiture. Parking du commissariat. Devant. Vas-y, descendez vite. J'arrive. Ouvrez le essayez de revoir le véhicule. Ok. Vas-y. Allez go. Ok. Secteur 1. T'as pris un pistolet un truc de radar? Non. Ok, c'est pas grave, j'en ai un. Ok. Allez. On va au niveau du mécano, concessionnaire, tu fais un petit tour là-bas, tu fais les bases. Ouais. Du coup, moi je vais me mettre en civil, hein. Je vais me la jouer. N'oublie pas, t'as le droit de tirer. Hein, ça marche, si, du coup, Adam 76-95. Il est à l'avant de nous. Tu comprends ce que je veux dire? C'est du coup Adam 76, c'est plus allô. Grave. Ouais, ouais. Okay. Alors, je dis les deux comme ça. Pour être sûr? Voilà, pour être sûr. Du coup, vous décrire comment je me suis habillé, comme ça vous ferez pas d'amalgame. Là, je suis actuellement habillé avec un pull suprême au milieu, c'est marqué Advisory. Avec un jogging Adidas, c'est des chaussures Nike avec un casque noir mat. Disquette. C'est quand c'est à la centrale, il y a que moi qui peut écrire dans le journal. Tu peux faire quoi? Qui ne peut plus écrire dans le journal. Dans le journal? Ouais. Quel journal? Non, c'est tout le monde, c'est normal. Et que les comment? Si vous voulez écrire dans le journal, c'est que les reports ou. Et c'est tout, et voilà. Bah, je sais pas, il y a un mec qui s'appelle Pablo Costa qui a écrit les flics venant en cellule, il y a un problème. Je sais pas du coup comment on fait pour appeler un. Je sais pas. Les appels téléphoniques au niveau des concessionnaires marchent ou pas? Garde-toi.
On va voir si tout va bien. Ah bah non, 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 encore mieux. Arrête-moi la voiture devant. Arrête-moi la voiture devant. Mets les gyros. Je vais vous dire avec quel véhicule je traîne, comme ça vous saurez que c'est moi. Je suis dans une voiture blanche, voiture blanche, la voiture blanche, passe derrière. 63 noir mat. J'ai entendu une seconde. Vas-y, trace. Non, mais. Trace. Je trouve la voiture blanche qui était à l'avant. J'ai appelé les collègues qui étaient à côté. Attends, tu parles de. Tu parles de quelle voiture blanche? Hop. Parce que dans le truc, moi, les voitures blanches, la seule que j'ai vue, c'était celle de la police. Ford GT, quoi. Ouais. À la poursuite d'une moto au niveau de la ferraille. Eh, 18, vous savez, vous n'êtes pas obligé de prendre une mission militaire. Vous pouvez. Sortez. J'en ai pas. Ah, j'ai qu'une Sanchez en fait. J'ai 18, une motocross vers le mécano. Ici, la dame 67. Moto style. Oui. Ouais, c'est quoi, t'as besoin d'un renfort? Putain. Tu vas conduire? Allez, au mécano, c'est mort. Elle est passée de l'autre côté. Trop tard, la patrouille 67 elle s'est redirigée vers les quartiers et on a tamponné un véhicule. Ouais, je l'ai pas vu, il est arrivé, le véhicule est arrivé juste devant moi. Faut que je rechange mes touches. Vous savez quoi, allez à la police, on va changer de véhicule et je vais conduire. Si vous devez changer votre façon de conduire, attendez. Ralentissez. Mettez les gyros. Monsieur, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Le port du casque, il est pas obligatoire en moto? Si, il est obligatoire, pourquoi? Ah, parce que là-bas, il l'avait pas. Bon, on l'a pas vu, désolé. Ah ouais? Il est en casquette, s'il tombe il est mort. Ouais. Oh, ouais, ça fout, c'est pas la mienne. Au revoir. On prend l'appel. Ah putain. 76. Le lag est présent. On se fait tirer dessus. Position s'il vous plaît. Au niveau de la banque de. Officier à terre. Ok, j'arrive. Officier à terre, j'ai un homme à terre. J'ai rechangé ça. J'envoie ma pause. Du tout, J'arrive. Mais putain de jeu de merde là qui fait n'importe quoi, il bug et putain. J'ai boursé une voiture, c'est la voiture de la LSPJ. Et voilà. Ok, la personne fait des menaces.
besoin de renfort. Bon, c'est au revoir, s'il te plaît, fonctionner. Par contre, le gars, il vient de prendre un véhicule de flic, donc du coup, si vous le retrouvez, vous le bannez sur. Oui, oui, il est en face de moi. Il avait une voix modifiée. Putain, il m'a instant le mec. Oh putain. Il s'enfuit du véhicule. Autorisation pour prendre poursuite et tirer sur la personne. Autorisation, tire. Du moment où il a tué il a tiré sur nous, tu le tues. Dans tous les cas, tu sais qu'il a abattu deux agents de la police. Je. Le cop qui marchait pas, ça. Elle me demande de partir vers la maison de Lester. Faites des appels à chaque fois qu'il y a un changement de zone. Par contre, attendez, je vais me relever tranquillement. Oh. Alors, il y en a un qui a été. Que j'ai tué, la déco. Donc, lui, ce que je viens de voir là. Vous êtes vers la maison de Lester, c'est ça? Affirmatif. Il a une tenue, on dirait de la LSPD. Il a une tenue, les gars, comme la Camorra. Camorra, d'accord. Moi, je suis un S63, hein. c'est mon voyer. J'avance. Il a un Deagle. Ah, merci. Deagle avec un silencieux. Je vais me prendre un medikit et tout ça, j'ai tout ça sur moi. Eh, hey, le gars. Attends, il est mort. Le mec qui est en chemise à couleur là, c'est qui? Aucune idée. Je suis mis en couleur, je parce sais que... pas. Ah ouais, c'est bon. Du coup, parce que. Il a un casque de la LSPG, vous savez. Les casques que utilise le SWAT, ça va. Non, mais Aiden ici, il sait à quoi il ressemble. Je l'ai attrapé. Tu me le défonces. Lui, il va prendre tarif. Il a tué combien de mecs? Il a mis combien de mecs à terre là? 1, 2, 3, 4, 4. Il a voulu me prendre en otage, j'ai réussi à partir aussi. J'en ai marre, attends. Je range mon téléphone, le joueur il sort tout seul et il me bug. C'est où ou pas là? C'est une suite mec, mec à chemise là. Besoin d'aide. Je comprends rien, ça me casse les couilles. Hein. Le mec qui nous a tiré dessus, il avait un Deagle avec un silencieux et il avait une tenue à la Camorra. Ok, c'est pas lui. Il a un casque de la Camorra. Chris. Tu m'as acheté dans la gueule du loup, tu sais. Pourquoi? Ben genre, t'as mis la voiture côté gauche, tu sais, derrière. Du coup, moi j'étais en première ligne et puis j'ai raté la balle. Ouais, excuse-moi, je pense que c'est des tirailles sur ça. Non, mais c'est pas grave, mais genre le... Ce genre de scène où tu tues un flic seulement pour tuer un flic, ça sert strictement. Ouais, il a disparu le mec. Mais c'était guignol. Ils étaient dans le véhicule là. Les voici les choses. Oh Chris. Véhicule noir en face. Et on sait à qui il appartient. Je sais pas, mais attends, il y a le mec qui a dû. Je vais voir. Je reviens. Besoin d'aide. Envoie, fais un appel, le véhicule. Je répète, besoin d'aide. James Azarov. Par contre, je suis en tenue civile, moi. Pas grave, on s'en branle. Faites un appel, ceux qui ont besoin d'aide. Dépêchez-vous. Il est où l'autre? Oh putain, fils de pute. Je peux plus tourner, hein.
Donc ça va être tout double. Hein. Putain. Allez. Je vais devoir m'absenter 5 minutes, j'ai un truc à régler dans ma tête. Ceux qui ont besoin d'aide là, c'est qui a crié? Faut qu'ils fassent un appel. Capitaine Lanny, prise de service 05 10-4. Bien reçu. J'ai par contre le nom, je l'ai mis. James Azarov, le véhicule noir qui était sur ouais, la fusillade. C'est lui que j'ai buté, mais il a disparu donc c'est ça que je Ah, donc c'est pas lui qui était. C'est pas lui qui est parti avec le véhicule de police? Bah non, mais je me demande comment il a fait pour disparaître comme ça quoi. Ouais. Vous êtes où là? C'est où qui a attrapé le mec là? À Paris. Oh putain. Oh là. Je vais regarder par rapport au GPS la position des gens. Comment on fait pour enlever le point d'appel? Attends, tu le feras quand on sera arrivé. Ouais. Tu t'appelles toi-même. Ah ok, d'accord. Tu t'appelles toi-même et tu acceptes ton appel. Non, je pense quand on aura fini tout ça. Oui, faut pas que tu bouges par contre. Il l'a pris à droite. Tout droit. Où ça? Attends, merde, je les vois plus sur le... Si, continue sur la route principale. Encore tout droit. Ils ont tourné à droite au niveau de l'auto-école. Là, tu les as dépassés. Rue tangente, là tu tournes à droite tout de suite. À gauche. Ah mais non, mais si c'est bon, il l'a pris, c'est lui là devant normalement. Ouais, c'est bon, il l'a eu, je pense. Ouais, du coup, 90 central, ouais, j'ai un suspect là, il m'a braqué avec une AK-47, j'ai réussi à l'avoir. Il s'est fait avoir comme un bleu. Hein. Oh, c'est pas lui. Non, mais il m'a braqué avec une AK. T'étais où pour qu'il t'a braqué? Gros, je vais t'expliquer l'histoire. Hop. Ah, pardon. Voilà. Et moi, ça? En gros, il m'a pris mes moyens de communication, m'a mis sur sa moto attachée. Je lui ai dit de me détacher parce que sinon j'allais tomber. Je suis tombé de la moto d'ailleurs. Et après, quand on est monté, il avait oublié de me prendre mes armes. Donc je lui ai pointé mon petit Kalib 50 sur la tête. Allez, avance. Central, on a perdu l'individu qui est recherché. Vous inquiétez pas, on a la description physique et le véhicule. On repart en patrouille 67. Du coup, il y a un mec avec un mètre de cheval qui est sur le comptoir. Une idée. Techniquement, lui, il est censé être en prison. Attends, je vais peut-être me faire l'appel, au moins comme ça, ça... Vas-y, je bouge pas. Vas-y. Mon collègue va faire un appel, ne répondez pas. Bon, j'ai trouvé beaucoup de choses. Ah, de la coke en plus. Appel standard ou demande d'aide? Non, demande d'aide. Ah,
Ok. J'en ai marre des gens. C'est moi, oui, je vois des voitures en train de se monter dessus. Où ça? Juste en face. Ah non. Ah bah peut-être. Ça le fait plus, ça le fait plus. Ça doit sûrement être les effets secondaires des médicaments. Faut dire, après ce qu'on s'est pris. Sergent 07, fin de service. C'est clair. Moi, bon, tu sais quoi, je prends direct la M4. Au moins, dès que je sors, je l'ai dans la main. Ah, je suis plus un adepte du fusil à pompe. Je ferai les deux. Bon, après, c'est vrai que le pompe, quand t'es de loin, c'est... ça commence à être limite. Oui, voilà. Ouais, donc c'est pas bien. C'est pas Jem Azarov alors, celui qu'on recherche. Si, c'est lui, d'accord. Je sais pas, il y a son véhicule qui était sur la route et... Ouais, voilà, enfin c'est lui qui est suspecté, mais en fait après on sait pas si c'est lui, quoi. Ça se trouve, il avait volé son véhicule. On est d'accord. Quoi? Alors, on descend. Bon, monsieur. Ouais, bonjour. J'ai ce que je viens de faire? Non. Ah ouais, donc vous explique la scène. Vous n'avez pas fait une en-route là? À l'instant. Si, mais c'est pas très grave. Si, c'est grave. Contrôle mur, monsieur, s'il vous plaît. Je suis bloqué dans mon dans le véhicule. Attends, je te passe 2 secondes. Alors, carte d'identité, permis de conduire, catégorie. Je suis toujours, t'as mis juste en plein de la bouche à incendie. Y'a pas de bouche à incendie? Si, si. Oh putain. C'est mieux là? Yep. Monsieur, votre permis de conduire, monsieur. 56, prise de service. Vous voulez que j'aille voir les points ou pas? Excusez-moi. Monsieur. Fais donc. Vous l'avez eu là? Non, j'ai eu ce chat que je vois. Oui, attendez. Oui. Je vais aller fouiller la voiture. Ah, vas-y. Regardez si la carte grise est bien. Alors, monsieur Tchunski, vous n'avez pas le permis de conduire. Vous n'avez même pas le code. Donc, on fait quoi? Je sais pas. Alors, le véhicule est décliné comme véhicule volé, d'après notre centre d'information. Ok, bah, monsieur, vous allez voir une petite amende salée. Aïe. Pour... code de la route. 73, je mets direct le véhicule en fourrière. Circulation en route, hein, parce que là, vous roulez sur le trottoir. Quoi d'autre? Conduite dangereuse. Là, vous aurez pu... mal aux jambes. Non-respect d'un feu rouge. Parce que vous n'avez pas respecté le feu rouge qui était là. On l'a très bien vu. Ensuite... Et où déjà... Merde. Conduite sans permis, oui. Attention, collègue, éloigne-toi. Alors, et vol de véhicule. Et vol de véhicule. Ça sera tout, monsieur.
Et on a un délai de combien de temps pour payer? 48 heures. Ok. Non, c'est doublé. Ah ouais, ok. Donc le véhicule, vous n'utilisez pas, bien sûr. Voilà, normalement, je l'ai mis. À la normalement, je l'ai déjà mis à la fourrière. Attends. $76 pour 95. Normalement, faut rentrer dedans et après le faire. Normalement, okay. Ça marche mieux. Monsieur. Oui. Quel est le muscle, enfin quelle est la poche pour sortir son téléphone? Normalement c'est la poche F10. Ok, merci. Ouais. Attends, ça te ferme ce putain de coffre. Bah bien. Pourquoi je ne peux plus ouvrir? Pas fermer le coffre. Attends. Ah, c'est bon. Comme ça, c'est réglé. Oh oui. Est-ce que tu peux me ramener au Comico? Vas-y, je passe juste par la vite fait. Vas-y, vas-y. 56? 14. Pas trop chiant, désolé. Est-ce que le commandant 19 est là? Négatif. Merci. Merci bien. Zéro cinq, je fais une fin de service.